relire. En fait, je crois qu'on, comme beaucoup, on découvre Camus quand on est au lycée, notamment L'Étranger ou La Peste. Et après, en fait, je trouve que même pour lire L'Étranger, on n'a pas la maturité nécessaire pour tout comprendre et pour tout saisir. Et en fait, j'ai eu la chance, moi, d'être accompagné par les œuvres de Camus tout au long de ma vie étudiante et même après, en tant que critique littéraire, de toujours vouloir découvrir Camus, parfois de le lire techniquement, c'est-à-dire de comment il écrit L'Étranger, comment il écrit La Peste. Et plus ça allait, plus c'était une compagnie, pas quotidienne, mais presque hebdomadaire. Et donc, il faut lire et relire Camus, parce que par exemple, ces nouvelles, dont on parle un peu moins, elles sont juste sublimes. Elles exaltent le lyrisme, elles exaltent la beauté, elles exaltent le présent. Et ce dictionnaire amoureux, j'ai vraiment voulu le faire avec la complicité de Catherine Camus, qui est la fille d'Albert Camus. Et c'est un partage que je vais faire avec les lecteurs. Je pensais, quand j'étais plus jeune, que j'étais le seul à connaître et à comprendre Albert Camus. Heureusement, j'ai découvert que nous étions quelques-uns. Alors,